Dans le feu de la jeunesse naissent les plaisirs et l'amour fait des prouesses pour nous éblouir. Je vous ai porté vivant, je vous ai porté enfant. Dieu, comme vous étiez lourd, pesant votre poids d'amour. Je vous ai porté encore à l'heure de votre mort. Je vous ai porté des fleurs, vous ai morcelé mon cœur. Quand vous jouiez à la guerre, moi je gardais la maison. J'ai usé de mes prières les barreaux de vos prisons. Alors Hélène, ça y est. Oui, ça y est, soulagée. Soulagée. Heureuse. Heureuse. C'était une très très belle semaine. Est-ce que vous pouvez dire maintenant que je chante? Je chante. Elle met sous l'air de répondre. Bon, je chante, oui. J'ai vu que parmi les spectateurs, il y avait quelqu'un de très tendu, très assidu, hein, avec son portable, hein, et capté là, la moindre attention. Ah oui, oui. Ah oui, on dira pas qui c'est. Allez, c'est... Pas voilà, pas de problème. Allez, au revoir. Aude qui a chanté dans l'Aude. Oui. Ah, c'est pas la première fois que tu chantes. Non, c'est pas la première fois. Mais là, tu es venue pour te perfectionner, c'est ça? Exactement. Voilà. Parce que moi, j'aimerais bien devenir chanteuse, et du coup, c'est vrai. 6 ans que je prends des cours de chant, et le stage avec Marie, c'était une manière de progresser. De progresser, surtout en interprétation. Ouais, ouais, ouais. Alors maintenant, c'est quoi l'avenir? L'avenir, là, c'est de retourner en cours à la rentrée et d'essayer de me produire un peu plus, de faire connaître sur les réseaux et de développer un peu ma carrière. Eh bien voilà, bien sûr, se faire connaître sur les réseaux. Exactement. Mais oui, et bien, on va essayer d'y contribuer. Hein. Oui, merci. Voilà, au revoir, Aude de l'Aude. Bonjour tout le monde. Alors déjà, merci d'être venus aussi nombreux et nombreuses aujourd'hui sous la halle. J'en suis très heureuse. Mes élèves en sont très stressés. Du coup, je vous présente cette merveilleuse équipe qui sont les élèves qui ont participé ces 4 derniers jours à la masterclass chant et percussion ibérique ici à Chalabre, dans le cadre du festival donc les Sérénades à Chalabre. Et ils vont vous présenter aujourd'hui un petit set des quelques chansons que nous avons travaillées du coup pendant ces 4 jours à la voix et aux percussions. Alors il faut savoir que la majorité des élèves et des chanteurs percussionnistes que vous voyez ici sur scène maintenant sont des débutants et des débutantes qui n'ont soit jamais chanté, soit très peu ou sous la douche, ou juste fait de la percu sur leurs mains en attendant le train, ou, voilà. Esa panadería me lleva un poco.
Nina, André, Jean-Paul, tous les bénévoles. On peut les applaudir hyper fort, c'est grâce à elle et eux, heureuse. Merveilleux, je crois. Superbe. Oui, bien sûr. Extra. Est-ce que vous savez chanter maintenant ? Non, toujours pas. une riche expérience. Oui, très riche. Sahiri, l'une des artistes qui vient de monter sur scène peut-être pour la première fois. En chant et en musique. Alors elle vient d'où, Sahiri ? À la base, je viens de région parisienne, mais ça fait depuis 8 mois qu'on habite à Chalabre. Voilà, à Chalabre même. Ouais, voilà. On tombe en amour à Chalabre, peut-être, non ? On tombe en amour de Chalabre, vraiment. Enfin, nous, c'est ce qui s'est passé. Vous œuvrez dans une œuvre caritative, vous êtes pharmacienne, vous êtes docteur. Alors, à la base, je suis menuisière en décor de théâtre, principalement. Comment avez-vous trouvé l'idée de faire une masterclass ? J'avais vu le spectacle d'Oriana il y a quelques mois et voilà, j'étais tombée en amour. Buenos días, Laura ou Laura, no sabe. Laura, buenos días. Alors, cette expérience de musicothérapie, on va dire, qu'est-ce que ça apporte ? Eh bien, ça m'a fait beaucoup de bien et j'ai envie de dire que c'était aussi un objectif personnel, enfin voilà, d'arriver à... À vaincre quelque chose peut-être, des angoisses, une peur, le public. Maintenant, tu peux dire « je chante ». Je ne sais pas si je vais dire ça, mais en tout cas, j'ai osé chanter. Osé, voilà, c'est ça. Voilà. Et pas forcément sur la scène, hein, c'est juste oser chanter. Franchir un pas, hein, c'est ça. Oui, c'est ça. Et puis si ça ne va pas, un bon coup de tambour et tout repart. Hein. Voilà, la percussion, ça c'est merveilleux. Ouais, c'est vrai. Merci, au revoir. Merci. Alors je me présente, c'est Jennifer, je suis créatrice, artiste en tout genre, je fais dans le recyclage, je fais dans le détournement d'objets, autant dans la couture que après dans tout ce qui est décoration. Donc du coup, situé à Fougax et Barineff en Ariège, et voilà.